Le tourin commence. Les monstres suivants apparaissent dans l'arène. Deux rats, trois gobelins archers et un gobelin au sud. La phase du maître des ombres commence. Le talent maîtrisé par les monstres, cette partie est coup bas. Placez les cartes talent du maître des ombres sur la table. Les monstres les utiliseront dès que possible pendant toute la durée de la quête. Le tour 2 commence. Les monstres suivants apparaissent dans l'arène. Un squelette archer à l'est, un fielon au sud, deux rats à l'ouest. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de PV max. Le tour 3 commence. Les monstres suivants apparaissent dans l'arène. Un squelette archer au nord, un gobelin à l'est, un squelette et un fielon à l'ouest. La phase du maître des ombres commence. Les monstres s'enragent, ce tour-ci, ils gagnent un dé de combat jaune sur leur jet d'attaque. Le tour 4 commence. Les monstres suivants apparaissent dans l'arène, une armure vivante au nord, deux rats à l'est, un gobelin archer et deux molosses démoniaques à l'ouest. La phase du maître des ombres commence. Les monstres s'enragent, ce tour-ci, ils gagnent un dé de combat jaune sur leur jet d'attaque. Le tour 5 commence. Les monstres suivants apparaissent dans l'arène. Deux gobelins et un bolgar au nord, un gobelin archer et un orc à l'est, un squelette archer, une gargouille et une sorcière à l'ouest. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de PV max.